Bonjour, bonjour à toutes. Euh, comment il est toujours avec euh, grand plaisir que mes retrouve à, toutes, à là pour parler euh, de la cuisine euh, notre pays euh, ça que nous fait ici euh, dans la vie de tous les jours et m'y fait partage à toutes, ça euh, directement à Théala. Aujourd'hui, on va faire des saucisses de poulet aux aubergines, bringelles si ça t'y veut. Hein, nous ici à Réunion, on a eu bringelles. On va faire à nous des euh, oignons, euh, des euh, tomates. Pas trop de tomates. On va mettre un petit peu de tomates parce que j'aime bien les tomates parce que sont agréables à manger. On va faire à nous aussi des, euh, des gros piments. On va faire à nous euh, des aubergines, des bringelles. Il euh, faut choisir les bringelles. Il y a plusieurs types de bringelles. c'est est un peu sec, sec en dedans Et puis euh, celle qui fait un peu de l'eau. Normalement, il faut prendre celle qui fait un peu de l'eau en dedans. Hein. les secs est sec. Euh, nous ben, appelons bringelle saucisse. C'est des bringelles. Euh euh, qui euh, demande euh, beaucoup euh, d'huile pour mettre dedans. On a commencé par euh, mettre, euh, hacher euh, les euh, gros piments en, en rondelles. Euh, gros piments, c'est piments à on appelle ça, si, euh, piments végétarien. on dirait ce qu'on appelle ça. Alors, quand on a fini de couper les de piments, euh, ça n'est pas fort. Hein, les... Des fois, on est fort les forts, il faut enlever les bonnes euh, grains dedans. Donc là, euh, c'est les piments comme elle l'a pris, c'est les piments en hiver, et comme nous, on est en hiver austral, donc euh, l'île est un peu. Euh, il n'est pas trop fort. Nous prenons les bringelles, nous coupons euh, en. Euh, comme ceci, voilà. là, euh, la coupe de cette façon-là, mais après, on coupe euh, en, de façon euh, soit en tranche, euh, comme ceci veut, parce que euh, les il euh, ça va, fait à cuire, donc il n'y a pas de souci. Nous, l'a choisi des saucisses euh, fumées, des petites saucisses fumées euh, au poulet. Euh, dans cette recette-là, s'ils euh, ont des végétariens, ils n'ont pas obligé de mettre le, le poulet. Ils peut faire le brin euh, tel que c'est. Un de ces quatre nous, va faire tel que c'est euh, pour Là-dedans, va falloir, nous, nous, on commence à, à faire frites les bonnes saucisses. Après, nous retire à lui dans la marmite hein, avant de commencer à faire frire les bandes, nous prenons une passoire là, nous enlèvent toutes les, euh, les affaires en dedans. Euh, Là-dedans, va falloir nous euh, du euh, piment, du sel, de, de l'ail, va falloir nous aussi euh, euh, un peu de coriandre si Zot il veut mettre dedans un petit peu de muscade si Zot il veut râper un petit peu en dessus euh, les pas mauvais du tout Nena il aime bien ça et Nena aussi euh, les feuilles de quatre épices si autres il veut mettre en dedans Nena de moins met mais après trop surcharger un plat en épices, les n'est pas trop trop, trop gaillard non plus. Hein, donc, euh, moi, je préfère un petit peu celle-là euh, naturelle. Donc, nous fait allumer de cette façon-là. Alors, ne nous jette pas l'huile des euh, saucisses que nous a fait frites dedans, puisque, comme on a dit à Zot, au tout début, les euh, bringelles, ben, ça y absorbe l'huile, c'est pas comment. Mais comme dans la cuisine moderne, maintenant, il ne faut pas trop 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 mettre l'huile en dedans parce que bon, bah, l'huile, c'est un truc qui ne digère pas euh, du tout. Euh, le corps humain ne digère pas l'huile trop. trop. Donc là, on prend l'huile nous, que nous fait frites les saucisses en dedans Nous ajoute les oignons. Alors, les oignons nous fait bien revenir à l'huile nous prend le temps, petit doucement nous mettre le feu fort. Hein. Bon, on a toujours tendance ça fait cuire à manger sur le feu fort euh, au moins, il ne fait pas de l'eau. Euh, là nous on a fini, le, les, on a fini de mettre les oignons bien frites bien sués, comme dit ça à devenir luisant nous m'y ajoute euh, les euh, gros piments en dedans et euh, m'y ajoute aussi euh, le l'ail alors là on n'a pas ajouté de piment en plus hein, mais normalement faut ajouter un petit peu de piment parce que les gros piments n'est pas trop trop trop, euh, trop 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 fort euh, surtout euh, en hiver. Après, il dépend aussi hein, où ça, ça casse piment, hein, si piment. Si ça la gagne piment, je côté le port là, c'est si chrest là bas, euh, où ça soleil il tape dur, crois moi, bien, le piment, il est assez fort. Mais si ça gagne dans les hauts, les piments, les sont un petit peu, euh, un peu moins fort Nous va ajouter, m'y ajoute les, euh, to les tomates en dedans avec euh, les euh, gros piments. Nous mélange, lui bien même comme euh, qu'il faut et nous euh, prendre euh, le temps. Et m'y rappelle aussi, hein, pas tout deux, monde il fait la cuisine pareil. Moi, en attendant, ça a fait la cuisine très, très simple. C'est ça que donne le placard. Euh, C'est des épices euh, faciles à trouver, sans complications, parce qu'après, des fois, nous peut prendre des épices et les laisser en tas, là. Les épices vivantes et euh, les plus trop bons euh, pour le goût euh, d'en euh, manger. Alors nous, nous laissons ça bien revenir comme qu'il faut. On ajoute un petit peu de curcuma en dedans. n'est pas obligé d'ajouter de curcuma. Hein? Euh, si on a du bon curcuma, il y ajoute en dedans. Et le meilleur, c'est d'avoir du curcuma frais. On a l'occasion de passer dans les marchés forains dans notre pays, la Réunion. On a du curcuma frais. On peut prendre ça. M'y ajoute aussi euh, là les aubergines qu'on va couper en, en morceaux euh, comme ça. M'y va faire revenir à lui bien euh, comme qu'il faut. Et puis c'est pour répondre aussi à une personne que l'avait envoyé nous. Envoyez-moi un petit commentaire pour dire il euh, me dit souvent les épices de la Réunion les meilleurs qu'ailleurs. Moi je jamais dit épices de la Réunion meilleurs qu'ailleurs. cest à dans notre pays il est toujours aussi bon. On nous connaît où ça y sort par rapport à certains, euh, certains épices. Donc, euh, ici, nous connaissons nous a un sol que les volcaniques, euh, nous avons des, des oligo-éléments, nous avons quand même pas mal de choses intéressantes avec ce sol assez intéressant à la Réunion. Ailleurs, nous avons des sols aussi dans d'autres pays euh, clés euh, intéressants euh, et les épices y poussent bien. Tout est bon hein, parce que si vous êtes habitué à manger produit pays si la Réunion, ils donnent l'azote, des produits ils sortent de l'extérieur, n'aura pas forcément le même goût. Euh, lui sera pareil, mais euh, le goût, il change. Hein. Euh, ça l'est pareil, un, un, un cochon, un saucisse euh, que vous avez acheté euh, dans une charcuterie, un une saucisse euh, que les fait dans une charcuterie traditionnelle par des artisans euh, qui fait vraiment de la vraie saucisse, les différents qu'un hein, saucisses que vous êtes s'acheter euh, par exemple dans un supermarché euh, tout ça hein, avec beaucoup de gras dedans de l'eau et toutes sortes de petits morceaux bah il s'est bah il fait avec voilà mi arrête euh, mon petit euh, <laughs> mon petit parole là-dessus nous euh, toi les brinjelles gel comme vous avez vu les brin les obéagines, il faut ajouter un petit peu de l'eau dedans bah, parce que si vous ajoutez pas de l'eau dedans euh, bah ça sera un petit peu difficile il y en a obéagines, euh, les na des aubégines est un peu compliqué euh, les secs euh, euh, il faut ajouter beaucoup d'huile beaucoup d'eau celle de là euh, lui euh, il n'est pas trop 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 sec donc euh, euh, nous ajoute euh, un petit peu d'eau dedans et nous ajoute aussi euh, de la coriandre la coriandre est très intéressante parce que certaines' affaires qui donne le, le goût euh, euh, nut Il n'est pas obligé de mettre euh, la coriandre dedans hein. moi m'y mets parce que aime bien aime bien ça il apporte un petit peu de, de fraîcheur il apporte un peu de goût aussi Surtout avec les saucisses que nous, ça va mettre dedans dans un instant. Alors les saucisses, il y a plusieurs types de saucisses fumées au poulet. On hein. a les gros, les moyennes et les petites. Moi, on a pris les petites. Euh, pour Pourquoi ça ben, On a pris les petites parce qu'elles euh, sont assez juteux quand même. Hein. Les grosses, il les bons mais les grosses, on a tendance à mettre un peu trop de, <laughs> de gras dedans. Voilà, on a juste l'eau. Euh, et euh, nous ajoute euh, de l'eau de façon que, euh, que les brins de cuit, les aubergines y cuisent sinon on n'est pas trop, trop 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 gaillard Alors les brins, les aubergines l'a bien, euh, l'a bien descendu, l'a bien réduit. Nous ajoute les euh, saucisses que nous l'a fait frite Il rappelle aussi que les saucisses poulet euh, en règle générale, il fait pas bouillir, parce que si ça fait bouillie il décharme un peu à l'intérieur, euh, les plus fermes, elle pas trop gaillard Alors les saucisses euh, nous ajoutent. Euh, nous euh, va couver, mais va couver lui euh, dans un instant. Et mais on profite pour écraser bien les euh, bringelles sans écraser euh, euh, les euh, saucisses à l'intérieur. laisse lui bien croûter un petit peu, comme Zot y voit à l'image. Voilà pour la recette des euh, saucisses poulet euh, fumées aux aubergines euh, que moi, voilà, propose Zot à, à Théala vous euh, n'êtes pas obligé de mettre des saucisses hein, les, les obéagines euh, les bringelles, comme nous dit ici euh, la Réunion les gaillards même sans les saucisses en dedans si vous allez mettre la préparation de ces épices là pour les végétariens et végétariennes hein, parce qu'il y en a bon peu les végétariens euh, ils ne mangent pas de la viande ils suivent à nous sur euh, notre page euh, Youtube voilà l'émission on l'a fini merci à Zot euh, d'avoir suivi ça midi à Zot rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau recette midi à zot. tiens beau serré largue pas il y en retrouve